Bienvenue à tout le monde, coucou à ceux qui regardent la rediff, coucou Didi, comment tu vas? Mon petit Didi. Mon petit. J'ai réglé le souci des smileys. En fait, c'est parce que j'ai pas arrêté de les upload, de les supprimer et de les remettre avec un autre nom. Donc, si quand vous cliquez sur le truc, ça marche pas, c'est que c'est un mauvais nom. Bon, en tout cas, j'ai mis toutes les commandes dans le Discord. Coucou Missou, comment ça va? Voilà, normalement, vous avez... Oh, un chat. Je suis bien entourée. Il y a un lit maintenant dans mon bureau, donc. Il y a les deux chats ici. Qui squattent en permanence. Ça fait longtemps que j'ai pas live, je ne sais plus animer. Bonsoir. En vrai, ce casque donne chaud. Moi ça va bien, je suis un peu crevée parce que j'ai passé la semaine, enfin 9 jours avec des gens, dont 7 jours malades. Voilà. Les derniers sont partis ce matin. Donc j'ai pas trop de jus, mais je suis contente de relive. Par contre, j'ai le seum pour changer. J'ai vu qu'on pouvait entrer les codes pour le DLC. Et ça veut pas le DL. Donc, je pense que ça va pas le DL avant... j'ai foutu l'eau partout. Avant demain. Normalement, c'est demain 19h, heure française. Sauf que je suis à peu près certaine... que leur appli de merde va bugger. Donc, ça va pas... ça va pas DL avant je ne sais pas quelle heure. Puisqu'il y aura sûrement un truc du style... ah, ça s'allume pas. Ah, ça marche pas. Ah, gna gna. Et nini. Enfin, vous voyez quoi. Donc, je sais pas à quelle heure le DL va commencer. Mais en tous les cas... c'est un DLC. J'ai... pas beaucoup de connexions, ça m'étonnerait fortement qu'on puisse tester la donne demain. À mon grand regret. Mais on va pas l'inventer quoi. Si ça marche pas, ça marche pas. On verra demain, mais à mon avis, ça sera pour... sous vos yeux ébahis, l'entrée d'une diva. Ça va ? Ah, elle a poussé la porte, là. Non, mais ça va pas mieux, cette chatte. Vous avez vu? Extasy. Elle est rentrée comme une princesse. Bah oui. N'importe quoi. On t'a vu, Ruru. Bah, j'essaye de pas trop crier, mais elle a ouvert la porte comme une diva, elle. Elle va la rouvrir. Ouais, très bien. Très bien. Bref. Excusez-moi. Elle m'a tué. Comment ça s'est ouvert? L'enveloppe et le chat qui arrive. D'habitude, c'est Hydromel qui fait ça. Mais là, c'est Extasy. Voilà, parce qu'Hydromel est déjà vautré sur le lit. Bibou aussi. Bref, j'espère qu'on pourra faire le... la donne, le test des chevaux demain, mais pariez plutôt sur vendredi. Donc si on le fait vendredi, on fera l'Ulabi samedi. Voilà, vous savez tout sur ce. J'espère que je vous ai manqué. Qu'est-ce qu'il fout ? J'espère que je vous ai manqué. Dites que je vous ai manqué pour mon ego. Et puis on va commencer. Hop. Voilà, j'ai bien fait de remettre mon fond parce que sinon vous n'auriez pas vu la diva qui ouvre la porte. C'était quelque chose. Franchement, c'était pas mal. Elle est rentrée comme une princesse. N'importe quoi. Je vous jure. Bref. Que je vous ai manqué. Merci. Je pense pas que ça change quelque chose d'avancer...
d'avancer l'heure du PC, sinon j'ai envie de dire tout le monde y jouerait là. C'est par rapport à l'heure à laquelle ils l'ont configuré pour la sortie demain aux USA. Donc je pense que ça sera 10 h chez eux et donc 19 chez nous. Voilà. De la merde quoi. Bon bref, j'espère que je pourrai la voir. Alors ici, le sang bébé. D'ailleurs, j'ai pas ouvert mon Google Doc, je fais ça de suite. Où c'est qu'ils sont? Voilà. On en est à 13 mouflés. Qu'est-ce qu'ils sont vilains! Oh! Oh là là, les deux derniers là, ils sont vilains comme des poux. J'ai un peu redécoré la maison histoire qu'elle fasse moins peur en fait. Qu'elle soit moins vide. Et j'ai un peu redécoré vu qu'on a plein de thunes, on s'en fout. Voilà. Bon, rien de folichon non plus. Ah, j'ai testé la mage là, de peindre le plafond. Alors j'ai fait un truc et puis spoiler, bah c'est moche. J'ai rien compris. Par contre, c'est trop bien qu'on puisse mettre en caméra libre dans le mode construit. Ah merde, c'est con ça, Brézou. Et coucou Brézou, je t'ai même pas dit coucou. C'est honteux. C'est honteux. Ah non, mais moi les chevaux, c'est fini, hein. Je fais plus que ça. Alors j'ai mis ce plafond, mais en fait c'est moche. Maintenant que je le vois. Je devrais juste pas toucher au plafond parce que moi les plafonds blancs ça me perturbe pas en fait. C'est même plutôt courant quoi. Si vous voulez de l'isolation, vaut mieux que ça soit un plafond blanc et par-dessus votre plancher ou je sais pas quoi en haut, tu vois. Bref, on s'en branle. Il y a le son là, c'est bon? On n'entend rien. Il n'y a pas de musique, c'est tellement triste, c'est live. Il n'y a pas de musique, faut que je chante. Pour faire un peu de musique. Il y a des gens, ils m'ont dit que. C'est peut-être moi alors qui bug. Pourtant, ça a pas l'air. Attends. Non, il n'y a pas d'image perdue, donc ça doit venir de chez vous, votre co. Si vous buguez. Chez moi, c'est impec. Je sais plus ce que je disais. J'ai trop chaud. J'aurais dû mettre un débardeur. Je me suis pas changée. Mais j'avais pas chaud avant. Pourquoi j'ai chaud là? J'ai chaud juste à parler. C'est une blague. Oh, je vous jure. Bon, bref. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, il y a des gens qui m'ont dit que je chantais vraiment trop bien. Et qu'il fallait que je chante tout le temps. Ah oui, d'accord. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que ces gens ont raison. En plus, ça met de l'animation. Donc ça, c'est les jumelles. On va zoomer un peu. Normalement, je vous avais mis les images, mais peut-être que vous avez pas vu. Ça s'appelle comment déjà? Francette Luce et Rita. Sylvandre, Guy Georges et les deux horreurs. Pardon. C'est le début de live, je me réveille, donc je vais bâiller tout le temps. Je suis navrée. Enfin, je me réveille. J'étais déjà réveillée, je veux dire, mais j'ai quasiment pas parlé de la journée. Donc dès que je commence à parler beaucoup, eh ben je bâille. Je sais pas si ça vous le fait. Est-ce que ça vous le fait? Attendez, je reprends mes marques là. En plus, mon PC, ça fait une semaine qu'il n'a pas tourné. Il y avait 15 mages. Incroyable. Quand je l'allume tous les jours, il n'y a pas de mages. Je viens pas pendant une semaine. C'est mage à gogo. Ça se fout vraiment de ma gueule, hein. Les Sims 4! Oui, c'est vraiment de la merde. Ils en sont où les chiards? Imagination et mouvement. Bah, tu continues alors de grimper, toi. Et toi, peau,
Imagination, ok. Bon, il a bientôt terminé Adolpo, là. On va faire imagination après. Oh, il est en colère. Oh, il est en colère, le sale mioche. Ah, il pue en plus. Super, hein. Mais attends, il a pas eu son pot. Connard! Va chier! Je sais plus qui était avec nous dans. Je sais plus qui était avec nous comme ado, mais comme vous pouvez constater, je l'ai viré. Vu que maintenant les jumelles sont là. Elles vont aider. Hop, j'ai trop hâte des chevaux, franchement. Franchement, j'en peux plus là. Je suis en mode. J'ai trop hâte des chevaux, même s'ils sont nuls. Et j'ai trop hâte de Lulabi, parce que je vous ai prévu un petit cocktail bien épicé. Pardon. Là, j'ai prévu jusqu'à l'épisode 8. Donc, ça va y aller, on va dire. Oh là là, elle est toute cassée, elle. Hop. Vous avez pas fini, quoi. C'était pas Bigfoot. Je crois qu'on avait pris Starla à un moment donné, mais je sais plus quand. Je sais plus, je t'avoue, ça fait une semaine, je me rappelle plus où on en était. Bon, c'est pas très important. Bon, Jaco, tu glisses? Voilà. On va peut-être lui mettre une petite écuelle par terre, là, qui mange. Allez, viens manger ta pâtée. Viens, mon petit bébé. Viens, mon petit Sylvandre. Quand je pense à Sylvandre. C'est bon, lui, il a le pot. Ah, ces petits enfants qui puent du cul. C'est trop bien. Dépêche-toi avant que ça périme. Bon, ça va, il reste 7 heures. Écuelle comme pour Jacouille. Non. Jacouille, il mange par terre. L'écuelle, c'est pour les chiens. Mes enfants sont des chiens. Ça te pose un problème? Bon, est-ce que vous pouvez jouer ensemble? Voilà. Hop, apprendre la compétence 3. T'as fini de manger le nabo là? C'est lequel? Je crois que c'est Guy Georges. Allez au lit, Guy Georges. Lui, il va manger. Nom 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 nom. On vend cette merde. Et on refait une toile. C'est quoi qui vaut le plus de thunes? Je sais jamais. Pop art, peut-être impressionniste. Me. Ste. Sme sme sne. Allez, Sylvandre, au lit. Ta-da-ta-da-ta-da. Ah, c'est les sorciers. On s'en branle un peu, mais. Vous en êtes où de vos compétences, vous? Elle a déjà deux, hein. Allez, va dormir, t'es en avance sur ta sœur. Hop. Essaye au moins d'avoir le niveau 2, parce que t'es vraiment loin derrière, quoi. Tiens, on te. Un chemin. Sais plus ce que je voulais dire. Bon, ça devait pas être très intéressant. C'est pas grave. Ça va, hein, ça se passe bien sans bébé. En vrai, en vrai, les gars, je suis à 13 bébés, je déprime. Je me dis, on va encore y passer 5 ans. J'en peux plus, j'en peux déjà plus. Les nourrissons, c'est encore plus chiant. C'est chiant. Ah, elle a pas un chef-d'œuvre, l'autre. C'est bien. Regardez, un truc de weeb. Est-ce qu'on peut le renommer? Weeb de merde. Voilà. C'est gratuit. Allez. 2000 balles, son truc de merde, là. Quel enfer. Weeb de merde.
Ça, c'est juste pour faire joli parce qu'en vrai, on va pas l'utiliser. Ah oui, j'ai amélioré le petit jardin des mouflets aussi. Enfin, vite fait. Ouais, j'ai rajouté un peu de déco en fait. Ah merde, j'ai mis le truc là, je l'ai, j'ai oublié de le. J'ai oublié de le mettre ailleurs. Où est-ce qu'on peut le mettre? On va le mettre là. Oh, la musique de vampire, mais c'est pas possible quoi. Ah! Bon, les nabos, ils vont bientôt se lever, je pense. Oh oui, ils vont bientôt se lever. Hop. Et alors, les compétences doivent être à zéro. Ouais, c'est ça. C'est bientôt l'anniversaire de Georgia. Oh non! Oh, ça veut dire qu'elle va être adulte. Elle n'a pas eu beaucoup d'enfants, elle n'en a eu que 13. Qu'est-ce qu'ils font? Mais va pas la réveiller, espèce de connard! Va manger tes pâtes, là! Tes macaronis au fromage froid! Dépêche-toi! En plus, bien gelé, ça sort du frigo! Tu vas pas nous emmerder, quand même! Sale mioche! Et ensuite, ils vont apprendre la réflexion, parce que c'est le plus casse-couille. Voilà. J'ai cliqué sur laquelle. Manche allemand. Attendez, on va regarder cette horreur. C'est Nitram en plus, comme par hasard. Vas-y, Nitram, fais-nous rêver. Oh merde, j'ai donné un coup dans le. Pardon. Les voir manger avec leurs mains comme ça me rappelle des souvenirs. J'ai l'impression, c'est absolument pas comparable, hein, le prenez pas premier degré. J'ai l'impression d'avoir fait la guerre et de revivre les moments tragiques de ce moment, de mon existence à la guerre. Disons que j'ai un neveu. Qui m'a un peu traumatisée. Voilà, on va dire ça comme ça. La fête des récoltes, mais on s'en branle, hop là. C'est bon, on va encore être envahi par les nains de jardin, là. On va juste les vendre. Hop, regardez, ça nous fait de l'atum. Parce que sinon, ils vont tout péter. Mais c'est bon, hein. On garde quand même le tout nu. C'est la base! La base! Non mais Ernestine est quand même très laide. On va pas se mytho, admirer le truc, c'est pas possible quoi. Aïe aïe aïe. J'aurais pu lui mettre une coupe mignonne. J'aurais pu! Mais je ne l'ai pas fait. Ça marche toujours ou pas? Aïe, normalement oui, il faut que j'arrête de taper dans mon micro puisque je me suis fait mal en plus. Quelle trougne! Tout le monde pionce là-dedans. Bon, ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. C'est quoi ça? La fée des dents, on s'en bat les couilles. Oh, ça, on peut pas vendre. La fée des dents. On s'en tamponne l'oignon de la fée des dents. C'est une fille. Ouais, c'est une fille, Ernestine. Ouais, c'est du lourd encore. Ah ouais, non, c'est immonde. C'est immonde, mais bon. Est-ce que vous avez bien fait vos devoirs? Ouais, alors tu retournes jouer au jeu. Et toi? C'est bon, tu retournes aussi jouer. Allez hop! Ah, elles sont tristes car elles n'ont pas fait la fête. J'en ai rien à foutre. Désinstallé. N'aime pas les jeux vidéo. Bah non, tu vas aimer ça parce que tu vas en bouffer du jeu vidéo. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la vidéo de Cyprien. Je suis plus vraiment Cyprien. Mais de temps en temps, je l'ai en recommandation. Et il a sorti une vidéo là.
Qu'est-ce que ça ferait en gros si on mélangeait des jeux vidéo ensemble? Enfin, des jeux vidéo, enfin, bref. Et il y a des trucs, c'est pas mal, j'ai bien rigolé. Vous devriez aller voir. C'était pas mal, pour le coup. Bon, toi, debout. T'as du ménage à faire, ma pauvre vieille. Et ensuite, tu vas nous faire Vlad des peintures. Bon, c'est pas palpitant, hein. C'est toujours la répétition. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Je sais que c'est très différent et il y en a qui n'arrivent pas à répondre, donc c'est pas grave. Mais j'aimerais savoir, vous préférez quoi entre Lullaby et le sang bébé? Vous préférez lequel? Alors je sais que ça n'a rien à voir et que techniquement c'est un peu comme si tu disais tu préfères la voiture ou le vélo, tu vois, ça n'a aucun rapport. Mais je veux quand même savoir lequel vous préférez. Voilà, c'est la question du jour. Tiens, on peut changer la coque de téléphone. Ouais, on va lui mettre. Ouah, mais il y a des nouvelles couleurs. Oh, trop bien. Oh, elle est trop belle celle-là. Ah non, j'ai pas fini de changer la coque. Enfin, le fond. Il est beau lui. Non, mais on va mettre lui, il est trop beau. En vrai, le sang bébé. Didi préfère le sang bébé et Miss Lulabi. Ok. Pourquoi? Non, je pense que Didi il préfère juste me voir rager. Et Miss, elle préfère les histoires, tout simplement. Je suppute, mais vous pouvez me contredire, bien évidemment. Ouais, j'avais dit. Je vais dire, je suis un devin. Je suis le devin. La grosse tête. Bon. Ah, mais elles ont pas école. Pourquoi elles ont pas école? Mais allez à l'école! Oh, honteux. Vite, vite l'école. Vite! Oh, j'ai acheté finalement, j'ai craqué, j'ai acheté le truc du grunge là. Et les fringues, elles sont trop belles, les gars. Regardez ça, tout ça là, c'est le grunge. Et c'est trop beau. Voilà. Allez, bref. Maniez-vous! Travaillez dur. Se faire des amis, c'est pour les faibles. Les faibles! Bon, c'est bon. Je m'en bats les couilles. L'aspi a nettoyé toute la merde de Nitram. Encore un chef-d'œuvre. Oh, c'est magnifique. Allez, ça dégage. Hop. Bon, Ernestine, tu vas aller sur le pot, ma petite vieille. Ça va pas être du luxe. Elle va piquer des colères et tout, on sait, mais c'est pas grave. Allez! Go! Go! Non. Arrête de chialer! Mais merci d'avoir annulé toutes mes actions! Connasse. Bon, vous deux. Toi, imagination. Allez hop, tu vas direct, pas le temps. Et toi, petit chou, pareil. Hop, imagination, zou. La patrouille des éléphants. Da-da-di-di-da-da. Il est bugué dans son lit. Comme d'habitude. Ah, c'est bon. Bon, du coup, ils vont pouvoir passer enfin.
Mais après, sachant que Lulabi est un reboot et que techniquement vous participez aussi. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est peut-être moins sérieux le sans bébé. Après, c'est très répétitif aussi. L'avantage, c'est que j'ai tendance à parler d'autres trucs pendant le sans bébé, vu que c'est juste de la répétition. Dans Lulabi, vous participez parce que vous votez quand même des trucs. Et si vous voulez, vous pouvez m'envoyer des Sims aussi. Donc, j'essaye de jouer. Contrairement à l'ancien Lulabi, où j'ai vraiment pas. Comment je peux dire ça? Après, c'est compliqué. Il y avait aussi plus de monde. Donc, forcément. Et il y a des gens qui ont abusé en m'envoyant 15 000 trucs. Bref. J'essaye là de faire participer tout le monde. Et c'est un peu une nouvelle version de Lulabi. C'est-à-dire que quand elle sera adulte, je ferai pas pareil que j'ai fait dans la version 1. Vous voyez ce que je veux dire? On verra où cette histoire nous porte. C'est un peu Lulabi, le multivers, tu vois. Le multivers où il n'y aura pas Iléas. Il n'y aura pas ses 8 enfants. Il n'y aura pas Louis. Malheureusement, il n'y aura pas Louis. Ce PG. Et il n'y aura pas tous les papas et maman des enfants de Lulabi. Bref. Ouais, c'est ça, c'est Lulabi, univers alternatif. J'essaie quand même que vous participiez au maximum, c'est-à-dire que il y a des trucs que j'ai écrits, il y a des trucs que j'ai prévus, des gros événements. Mais en fait, vous allez voter pour savoir qui aura. Enfin bref, vous allez voter quoi. Enfin, j'essaye de faire en sorte que vous participiez bien. J'espère que j'y arrive, mais joue à la poupée, espèce de petit con. Pourquoi vous êtes buggé encore? Oh, arrête de parler, on s'en fout. Putain, c'est chiant. Ça me gonfle, ça me gonfle. Il pue, mais on s'en fout. Elle pue, pardon. Rebrezou, ça va et toi? Arrêtez de bugger, j'en ai marre! Pourquoi ils font ça? Pourquoi elle est plantée comme une merde en plein milieu de la salle de jeu? Le temps passe, mais rien ne se passe. Elle est buggée dans la salle de jeu. Ils ne font rien, ils se regardent et n'effectuent pas ces putains d'actions. C'est quand même pas compliqué de coder quelque chose pour que ça fonctionne correctement. Pendant ce temps, en 1818, en l'an de grâce 1712, Georgia a essayé d'apprendre à Ernestine d'aller sur le pot. Mais Ernestine ne voulait pas y aller. Alors Georgia resta buggée. Loupi, ça marche. Qu'est-ce qui marche? Ah! Comment t'as fait pour modifier la date de ton PC? Attends, mais moi je veux que ça DL là. Tu fais ça où? Bon, vas-y, débug là. Putain, ça me cave. Va lui apprendre à chier sur le trône. C'est quand même pas compliqué, bordel à queue. Maniez-vous! Putain. Attends, on va faire ça vite. Tu vas dans les paramètres. Ouais, j'y suis. Paramètres. Alors, attends. Ah, mais moi, j'ai Windows 11. Heure et langue. Je suppose que c'est là-dedans. Je mets quoi? Définir manuellement l'heure? On va tester. J'ai mis que j'étais le 20 juillet là.
J'émets quand même quelques doutes. Évidemment. Et il ne s'ouvre pas. J'en ai ras le foin. Faut peut-être que je quitte les Sims avant. Attends. On va sauvegarder. Ce serait con de tout perdre. On va mettre... On va se mettre là-dessus. On va quitter. Ouais, je vois, Missou. Les Sims 4! Oui, c'est vraiment de la merde! Ah, ça bug. Non, c'est bon. Bon, alors, j'ai changé le fuseau horaire, là, machin. Ok. Alors. C'est pas là-dedans. Gérer. Download. Vas-y, download. Oui. Oui. Non. Un problème est survenu. Ça me dit ça depuis ce matin. Enfin, depuis que j'ai allumé mon PC et que j'ai rentré le ce midi, alors, mettons ça. Oh, je jure que ça me casse les couilles. 1 giga? Oh bah ça va, ça devrait pas prendre 1000 ans. Non, mais ça me met ça en fait. Ah, mais erreur du téléchargement depuis bah, cet après-midi. J'ai retrait les codes et tout. J'ai même acheté le truc du grunge entre deux, là. Grunge, je sais pas comment ça se prononce. Ça a très bien DL, ça ne veut pas. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et là, ça marche, là. Il est en train de DL, Missou. J'en ai marre. C'est toujours ma pomme, ça marche pas. C'est toujours avec moi que cette putain d'appli ne marche pas. Je vous promets, j'en ai ras le pompon. Le pompon! C'est qui me notifie en plus. N'importe quoi. Ah, il est en erreur aussi. Mais je pense que ça va se débloquer. Bon, je vais remettre la vraie heure. Ah, ça y est, mes volets se ferment. À mon avis, ça va juste se débloquer demain. Je vais allumer la lumière. Je reviens. Extafouine. La faim, elle. Faut joie, désolée. T'inquiète. T'inquiète. En vrai, ça m'étonne pas. Moi, tout ce que je demande, c'est qu'à 19h demain, ça DL. Et pas attendre une heure. Parce que leur appli de merde plante. Bon. Maintenant, le jeu se lance plus. Zen, je suis zen, je suis très zen. On est déjà connectés, bordel! J'en ai marre. Leur appli de caca est une grosse daubasse. Quitter, allô. Bon. En attendant, racontez-moi votre semaine. Racontez-moi votre semaine. J'étais voir Barbie hier. En avant-première.
Je savais pas à quoi m'attendre parce qu'en vrai, la bande-annonce, elle disait rien. Donc je m'attendais à un truc niais parce que c'est Barbie, tu vois, et j'aime bien les films Barbie. Et en fait, je sais pas, je suis mitigée. Mais en même temps, si je vous dis mon avis, ça va possiblement vous spoil le film si vous voulez y aller. Donc j'ai pas non plus envie de vous spoil le film. Je vais ouvrir le gestionnaire de tâches. Pardon. Les Sims, peux-tu fermer ta gueule? EA. Ça dégage, EA. Dégage! Voilà, merci. C'est bon? Tu peux ouvrir maintenant? Tu peux ouvrir ta mouille? Très bien. Maintenant, je n'ai plus de jeu. Bah oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Ça m'a saoulé. Il n'y a rien ici. Ma première nouvelle, yay. C'est-à-dire que si, en fait, hein. La rage. La rage. La rage. N'empêche, je vais quand même faire un compliment aux développeurs de cette application de merde, c'est qu'ils ont changé leur message troll. Je sais pas si c'était pour se foutre de nos gueules ou parce qu'ils pensaient que ça ferait rire les gens, mais en vrai, quand moi, mes trucs bug, j'aime pas trop qu'on me fasse un message du style « Haha, il y a un truc qui va pas, lol ». Là, c'est redevenu correct, c'est-à-dire le chargement est un peu plus long que la normale. Veuillez patienter pendant que nous tentons de résoudre le problème. Tentons. Oui, ok. Donc, c'est un peu moins frustrant. Bon, bah, cet épisode du sang bébé était court. Court mais intense, j'en ai marre. Ta ta la ta 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 tan 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 ta qui t'estime aussi, même si ça n'a aucun rapport. Ah oui, c'est complètement buggé en fait. C'est buggé. Le PC est en PLS. Ah, c'est bon. Oui, Steam. Oh, il y a une image de Disney. Ok, super. Fermer tous les trucs EA. EA. La la la. C'est bon? Lance-moi les Sims. Lance-moi les Sims, émagne-toi. Non mais il n'y avait rien, rien du tout nulle part. Didi. Ça le fait des fois. Il dit que la bibliothèque est vide. Voilà. Ça remarche. Faut pas chercher, hein. Vraiment, faut pas chercher. Et du coup, Barbie, je vais quand même dire le positif, où ça spoilera pas, parce que je peux pas vous donner mon avis sur l'histoire, parce que ça va vous spoiler si jamais vous voulez aller le voir. Mais en tout cas, les décors et les costumes, ils sont top. Et les acteurs aussi. Il y a des chorés et tout, enfin, c'est super beau. Franchement, là-dessus, j'ai rien à redire. Non, mais t'as voulu aider, Missou, alors t'en veux pas, t'inquiète. C'est pas ta faute s'ils savent pas coder une appli. En fait, s'ils sont pas assez précis, tu vois, ils diraient juste, vous ne pouvez pas précharger le truc avant la sortie officielle. Ce serait clair. Là, ils mettent précharger le jeu avant la sortie. Et quand tu cliques dessus, ça fait erreur chargement, gneu gneu.
Alors d'ailleurs, je crois que mamie, elle l'a pris directement sur Origin et ça avait l'air de marcher chez elle. Moi, je l'ai pris sur Instant Gaming et visiblement, il n'accepte pas les codes. Voilà. Donc ça marche pas chez moi. Ras le cul. Ouais, non, franchement, il est très très beau visuellement et tout. Enfin, les acteurs sont très bons. La VF, nous, enfin, on l'a vu en VF. Après, je suis pas objective sur les VF parce que j'aime les VF. Alors, je sais qu'il y aura certainement des pros VO dans la salle qui me diront: oui, mais la VF, gna gna, elle rate quelques petites subtilités de... J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. La VF est bonne. En plus, la voix officielle de Margot Robbie, c'est Dorothée Pousséo. Donc, je ne peux que aimer, en fait. Voilà. Barbie! Mais le message que passe ce film, je suis mi-figue, mi-raisin. Parce qu'en fait, je ne sais pas s'il se veut sérieux. Et dans ce cas, pour ma part, c'est de la merde. Ou si c'est un peu second degré. C'est-à-dire que... C'est sérieux, mais pas vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Et si c'est le cas, alors c'est très bien. Mais si c'est vraiment premier degré, pour moi, ça coince. C'est le genre de message forcing là qu'on te fait pendant 2 heures, parce que le film dure 2 heures. Donc pendant une bonne heure, ça te le tabasse, le message. Et moi, c'est le genre de truc que j'aime pas, quand on me tabasse la gueule avec un message positif. Voilà, enfin positif, bref. Du coup, je suis mitigée, j'arrive pas à me décider si c'est bien ou pas parce que je sais pas. Évidemment, j'ai eu la bonne idée d'aller sur Twitter aujourd'hui. Je sais que Twitter, c'est pas là où faut se renseigner, hein. Mais j'ai pas cherché à me renseigner sur Twitter, je suis juste allée sur Twitter, puis c'était dans mon fil d'actu, évidemment. Et bah comment vous dire que ça m'a pas donné envie de continuer de lire quoi. Évidemment, t'as toutes les pro-nazis là qui sont en chaleur devant ce film et qui dénigrent le reste de l'humanité. Qu'est-ce qu'elles font? Elles sont rentrées, très bien. Donc, ça m'a encore plus énervée. Bref. Il est beaucoup trop tendu. Et bah va jouer aux jeux vidéo. Allez hop, avec ta soeur. Et les gens, ça vole pas haut. Bah je pense qu'il y a des gens qui l'ont pris vraiment premier degré. Et si tu le prends premier degré, si moi je le prends premier degré, je vous dis que c'est de la merde ce film. Voilà. Si je le prends second degré, c'est marrant. Vous voyez ce que je veux dire? Coucou Élise! Est-ce que tu vas un peu mieux, ma petite Élise? Je suis contente de te lire. Enfin, un peu mieux, bon, dans la mesure du possible. Allez, Ernestine, chie un coup, là. Après, comme je dis, c'est mon opinion. Moi, j'aime pas quand on me tabasse un message dans la gueule. Quand c'est pas subtil, quand c'est vraiment... Tu vois, ça, c'est l'opinion qu'il faut avoir. Ça, c'est ta tête. Et bam! J'apprécie pas trop. Moi, ouais, ça va. Je parlais de Barbie, que j'étais voir hier. Mais par contre, ouais, les acteurs, les décors et tout, c'est vraiment... Moi, j'ai jamais trop joué au Barbie. J'étais plus du style à voir les chevaux de Barbie. Et Barbie, elle finissait plutôt mal avec moi. Elle finissait en... Je ne sais pas très bien. Voilà. La pauvre Barbie. J'en ai pas eu beaucoup. Hein. J'en ai pas eu beaucoup. Mais j'ai surtout eu des Playmobil. D'ailleurs, je les ai ramenés de chez ma maman. Donc j'ai 3 caisses là. J'ai mes Playmobil. Lupina, 30 ans, je joue au Playmobil. Un problème? Un problème? Et voilà. Merde, c'est pas ça que je voulais. C'est toi que je veux. Georgia! C'est toi que je veux.
Georgia, les jumeaux vont passer enfants. Horrible. Pourquoi je peux pas faire souffler les bougies là? Le gâteau doit être au centre, gna gna gna. Suce ta grand-mère. C'est pas vrai ça. Alors, Sylvandre. Sylvandre. C'est bon. Allez, les jeux vidéo encore. Non, putain, ils ont pété la console, c'est ça le gosse. Allez, on se dépêche. C'est bon, lui? Elle? Pardon. Mais putain, mais vous attendez quoi, en fait? Vous attendez la Saint-Glinglin? Tu vas la mettre sur le trône, cette chiotte-là? C'est la base, les Playmobil. La base! Playmobil chevaux. Ah bah oui, forcément. Il y en a 120 dans la boîte, là. Bref, j'en veux d'autres, maintenant. Je n'ai pas d'argent, donc on va éviter. On va éviter d'acheter du Playmobil. Hop. Hop. Et l'autre Guy Georges. Non, c'est pas ça que je veux. Pourquoi j'ai de la morve qui remonte alors que je suis même pas enrhumée là? Pardon, c'était sexy. Aidez à souffler les bougies. Je ne peux pas faire ça pendant que c'est vrai. Oh, il aime les chats. Bah, c'est bien. C'est bien, Joustof, on s'en bat les couilles. Gna 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 gna. Allez, tu peux faire Guy Georges là. Je vais bien jouer avec toi, Loupi. Bah écoute, viens à la maison. On y a joué là avec mes potes. J'ai sorti tous mes chevaux. Et on a inventé une histoire de merde. Mais on l'a pas fini, alors il faudra la finir la prochaine fois. Hop. Écolo. Bah ça m'étonne pas, il était pénible. Bon, ça c'est fait. Ça c'est fait. Oh mon Dieu. Bon, alors. Comment dire? Vous allez commencer par prendre une douche. Ah non, c'est la grognasse. Bon, on va prendre une douche quand même. Les enfants. Ah oui, ça pue là. Ça pue du cul, hein. En même temps, je crois que je vous ai jamais lavé de votre enfance. Bambinage. Allez, ensuite, tu vas retourner à la réflexion. Et toi, tu vas apprendre à Nitram, aller sur le pot. RP Playmobil. Non, elle est pas enceinte, elle est juste grosse, comme moi. Une fois, il y a une dame qui m'a dit: Oh, tu attends un enfant? Je fais non, je suis juste grosse. Elle était trop mal. Mais elle était trop gentille. Elle est trop gentille, cette dame. Donc, je ne le voulais pas, tu vois. Mon tact. Les gars, quelqu'un peut m'apprendre le tact? J'ai vraiment un problème. Je n'ai pas de tact. Même quand je veux en avoir, j'en ai pas. Même en prenant des pincettes, ça ne marche pas. Quand je veux prendre des pincettes, je commence la phrase par. Je veux pas te vexer. Déjà, ça commence mal. Parce que forcément, quand tu dis ça, les gens se mettent en position de putain, elle va me dire une dinguerie. Et après, je lâche le boulet de canon. Tu vois, c'est comme si le type, il avait un boulet, vous savez, comme dans les bandes dessinées là. Une chaîne et un boulet au bout. Que moi, je tiens le boulet et que j'agite la chaîne pour lui dire attention, je vais lâcher le boulet. Et après, je lâche mon boulet. Je veux pas te vexer, mais le prends pas mal, hein, mais... Et après c'est fini. C'est fini. Bref. Mais je n'en veux pas à cette dame de m'avoir dit ça. En fait, ça m'a un peu fait rire sur le moment. Et après, ça m'a rendu triste parce qu'elle s'en voulait trop. Je la referai tomber enceinte quand les deux là, elles seront grandes.
Pourquoi vous n'allez pas vous doucher quand j'ai demandé de vous doucher? Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Il est temps de faire ses devoirs, mes petits piou-piou. Ya ya, petit sorcier. Il faut aller faire devoir. Putain, on peut pas faire ses devoirs. Mais arrête d'être tendue, pauvre pute. C'était pas très gentil. C'était pas très très gentil, ça. Ayant B. Je veux que tu fasses tes devoirs. Tes devoirs. L'accent allemand de qualité. Merci, Yaya. L'accent caricatural surtout. Bon. Elle. Ah bah pareil. Pourquoi ils sont tendus? Et vous me gonflez. Voilà, vous me gonflez. Allez, va prendre ta douche, ça va te décoincer, débrider le cul. Se débrider le cul, est-ce que c'est raciste? C'est une vraie question. Normalement, c'est dérider. Je sais pas pourquoi j'ai dit débrider. Je suis en train de me dire que c'est peut-être pas ouf. Le beau Nitram. Non, non, vraiment. Je sais que t'adores ce gosse parce que Nitram, Martin, tout ça. Mais attends, on attend qu'il ait fini d'aller sur le pot. Et après, on va sincèrement en parler, Brest, parce que vraiment, on a des beaux enfants, mais je ne crois pas que Nitram en fasse partie. Et c'est pas pour charrier cette fois, c'est... Objectivement, bah, il est plutôt vilain, en fait. Pardon, je suis navrée pour le reniflement de porc, là. Ok, elle a la faim. Ah, c'est génial, bon, on va leur remettre leur écuelle par terre, hein. Allez, viens manger, petit enfant. Et viens manger. Ouah, 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 ouah. Il est 19h. Et il est KO. Il est KO. Alors, je veux pas te vexer. Va faire tes devoirs, grosse pute. Ah si, elle, je veux bien la vexer, j'en ai rien à foutre, elle n'existe pas. Tu n'existes pas, tu n'es qu'un pixel. En vrai, elle est vachement jolie. Comment elle s'appelle déjà? Rita. Rita et Francette Luce, elles sont pas mal, hein. Bon, elles font la gueule, là. Mais elles sont encore tendues. À une saute d'humeur. Tout ce stress va me donner des boutons. On s'en fout. Tes devoirs? Ça dure combien de temps encore? Ah, c'est bon. Enfin arrêtez là. Mais bon, se détend de le fiac. Vous allez faire vos devoirs, bande de connasses. Dépêchez-vous! On se dépêche. Et merde. J'ai mis ce clic. C'est bon, vous avez fini, vous? T'as pas fait tes devoirs, Gaëtan? Bon, ils ont un peu la dalle. Alors, ils vont manger quand même. Et l'autre, il a toujours pas pris sa douche. Je l'ai pas envoyé 6 fois prendre sa putain de douche mouflée. Mais elle est cassée ou quoi, la douche? Bah non, il est juste con. Et voilà, t'es con. T'es qui? T'es Sylvandre? T'as été fini à la pisse ou quoi, Sylvandre? Et l'autre qui pique sa crise. Allez! Et ouin ouin, et vas-y que je m'évanouis, et gna gna gna, et gnou gnou gnou. Putain de gosse. Ça aussi, ça s'évanouit? Bah voyons! T'as mangé au moins? Sale mioche! Vous m'avez manqué tes lives. Aïe aïe aïe. Vous avez même pas remarqué que j'étais devenue rousse, hein. C'est honteux, hein. Honteux! Ça prouve que vous venez pas pour mon physique au moins. En même temps. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oh putain, maniez-vous le cul. Maniez-vous le troufion de faire vos devoirs. Qu'est-ce qu'elle a encore? Elle est mal à l'aise. Vivement qu'elle dégage.
Oh, vivement qu'elle dégage. Qu'elle s'arrache la vache. Bon, gosse, tu vas te laver cette fois. On te surveille. On te surveille, mon petit Sylvandre. T'as intérêt de te laver. Eh ben voilà. Il a trouvé le bouton. Il est pas si con, finalement. Pruti. Est-ce que les devoirs sont bien faits? Oui, c'est bon. Ah oui, il faut attendre, attends. Ouais, bon, il est 22h. Non, attends. Attends, Guy Georges, il va falloir que tu augmentes une compétence. Compétence, de ça, tiens. Hop. Non, mais toi, c'est pareil. Va pas, va pas. Va pas! C'est bon, tu veux bien refaire tes devoirs, espèce de chieuse? Allez, aide-la. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai pas dit d'aller te coucher. Pleurer. Ah, ça, pour pleurer, il y a du monde. Hein. T'as été au coiffe? Non, j'ai été chez moi. J'ai fait la teinture. J'ai remarqué, mais j'étais pas sûre. En même temps, je vous avoue que la lumière et tout, c'est pas ouf. Attendez, je me mets là. J'ai mis pause, vous inquiétez pas. Hop. Voilà. Ça se voit un peu, je pense. Évidemment, je les ai coiffés, donc ils ne ressemblent à rien. En fait, quand je les coiffe pas... Ah, mais putain, mais je transpire, c'est ouf. Super, le casque mouillé. Quand je les coiffe pas, ils font des jolies boucles. Et quand je les coiffe, ça fait juste... Pff, genre le lion, tu vois. La 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 la. Bref. Ah oui, boy. Allez, on retourne dresser ses mouflets, là. Ah oui. Ah, bam, bam, bi. Dans la jungle, terrible jungle, il a pas fait ses devoirs. Vous entendez rien? Ça a bugué mon micro. Allô? Y a plus de son. Je vais demander. C'est que cette histoire. Si on m'entend. Ah bah ok, c'est juste mon Streamlabs alors qui fait de la merde pour changer. Ça m'affiche plus la petite pouit. Bref, il y a un truc sur mon écran qui me dit que ça marche et là il y a pas. Donc je ne sais pas si vous m'entendez. Bon, apparemment oui, puisque tu l'as dit. Dépêchez-vous de faire vos devoirs. Dépêchez-vous de faire vos devoirs. Il est minuit et vous êtes pas couché. Il a trop peur pour dormir. Bah, c'est pas grave, tu vas aller farm. Hein. Farmer la réflexion. C'est bon, c'est bon. Tu as le droit d'aller dormir, petit vénard. Dépêchez-vous, les filles. Est-ce que c'est bon? Elles ont 3, toutes les deux. Ah, mais elle a A. Elle a A, Francette. Ok, bah il manque plus que sa sœur, alors. Elle va te coucher. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Non mais finis tes putains de devoirs, meuf. Oh putain, elle me saoule. Elle me casse les couilles. Ok,
Bon, bah, tant mieux si vous m'entendez. Ce serait vraiment dommage de pas m'entendre. Très dommage. Bref. Bon, on va faire la vaisselle. Hein. Oh, il y en a partout, c'est dégueulasse. Plus les pots, là. On va peut-être aussi refaire un plat. Alors, comme si le truc de cuisine ne buguait pas assez, ils ont rajouté des plats dans la mage. Et il y en aura encore d'autres avec le pack. On est tous très heureux. Très très heureux. Allez, joue. Sale mioche. Youpi. Youpi. Ça m'a encore plus bugué. Ah là là, on est content. Il mange ta merde. Et au lit. C'est bon, tu peux aller te coucher là, Ernestine. Elle en est à combien? 2, ok. Alors. Il faut qu'elle finisse son putain de travail supplémentaire, elle. Mine-toi le tronc. Mine-toi le tronc. Et vous allez jouer. Oh my god, mais cette gueule. Oh, c'est pas possible. Hein. Ouais, je suis trop bien habillée. Hein. Ça marche, Missou. Bonne nuit si tu t'endors. Oui, toujours pas de blanquette. On peut aller se faire foutre pour les plats français. Hein. C'est incroyable. Ça m'énerve. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi tu vas faire tes devoirs là? C'est creepy. Les cours commencent dans une heure, qui s'en fout. Bon, t'as bien tout fini, toi? Ouais, c'est bon. Dépêche-toi de faire tes trucs. Vite! Non, allez-y tout seul, hein, vous n'avez pas besoin de moi. Autre chose à foutre. Travaillez dur. Mais va en cours, pétasse. Oh, incroyable ça. Ne serait-ce que purée jambon, c'est la base. Ouais. La purée, ouais, mais c'est un espèce de bœuf de je sais pas où, là. Un truc ricain, encore. Ah, c'est juste qu'ils nous font les plats de toutes de tous les peuples du monde, de toutes les religions même. Par contre, les plats français, on peut aller se faire mettre. C'est incroyable. Alors qu'on a la meilleure gastronomie du monde et tous ceux qui disent l'inverse sont des cons. Pas de soucis, Élise. Profite. Et bonne nuit si tu t'endors. Courage. T'inquiète pas. En plus, c'est vrai que c'est chiant d'écrire. Je compatis, je connais. Donc t'inquiète. Endors-toi s'il faut t'endormir et puis y a pas de problème. De toute façon, ce sera pas la première à t'endormir sur mon live. J'espère juste ne pas te réveiller en sursaut quand je vais hurler. Mais sinon, y a pas de soucis. Alors,
qu'on va faire du pop art. Pourquoi... Attends, il est levé, lui? Il est sur sa gamelle, là? Jouer. Ah, ok. Bon, bah, il joue. Il joue. Encore et toujours. Est-ce qu'on doit payer les factures? Qui appelle? Quoi? Je m'en fous. C'est quand tu hurles que je m'endors. Oui, alors. On va pas avoir ce débat. Après, tant mieux, hein. Quelque part, ça veut dire que je vous détends. Donc, c'est plutôt positif. Faut mieux le voir comme ça, hein. C'est très long. C'est extrêmement long. Ah, elle a faim, l'autre grognasse, là. Vous m'emmerdez, ma petite. Tu m'emmerdes. Elle a qu'à manger au lieu de nous faire chier. Pardon. Mais visiblement, c'est trop dur pour son cerveau, hein. Allez, toi aussi, mange. Pardon, j'ai pété un câble. Ah ouais, ouais. Allez, va chier, Ernestine. Ah ouais, ouais. Sale gosse. Pourquoi ils mettent ça là, quoi? Ah! Les notes sont en hausse. Ça veut dire au revoir les filles, hein. Et eux, ils ont B, c'est ça. Au revoir, hein. Au revoir les filles. Insupportable. La meuf est chiante. Donc A, et elle, elle avait déjà A, donc c'est bon. En plus, elle est trop forte, regardez. Elle a A à fond. Bon, bref. Le gâteau qui sert à tout le monde. Ça fait 6 ans qu'il est dans le frigo. Il a pas pris un champi, hein. Allez, on est parti. Souffle. Fou. Ouais, joyeux anniversaire. Ah, génial. Bah attends, ça va pas. Bon, il y a pas reine du catch là. Elle veut être... Non, on va mettre que c'est une athlète. De toute façon, on s'en fout, elle va dégager. Ah, ils ont tout changé. Ils ont tout changé, ça me perturbe. Au secours! Bah, c'est mieux, hein. C'est mieux... C'est clairement mieux rangé. Mais du coup, il faut que je me réadapte. Ouais, bravo. Ah, elle a une mention. GG. Et GG, j'en ai rien à foutre. Bon. Diplôme obtenu. Attends. Lorsque vous l'aurez récupéré... Ouais, ok, on s'en fout. Alors, Nitram à 3 en réflexion, j'ai vu. J'ai vu. Arrête ça, Nitram. Et toi, tu vas apprendre à aller sur le pot à Nitram. Ok, elle est bien élevée, elle aime la musique et elle est bienveillante. Bon, bah, écoutez, ça va pas être long. Non, c'est pas la musique, ça. Si, c'est bon. Encore? Je vais juste avoir un A. Ah, mais c'est un nouveau. Le... C'est ça. Vous avez gagné le droit de vous barrer.
Bah, elle fait son portrait, elle en met du temps, elle. À faire ses conserves, là. Elle est buggée. Putain, elle est buggée. J'en ai marre. Alors, on va tout ai-je. Voilà, regardez, c'est magnifique. Ah, une capsule. Ouh, que les vilaines. Allez, ça dégage. Petit poney. Petit poney. Tu es tout gris, tout petit, petit poney. Petit poney. Tadam, tadam. On va se calmer. Bon, les gosses, vous ne jouez pas du tout, les gosses. Vous en avez tout, d'ailleurs. 2 sur 4, c'est tout. Mais pourquoi ils jouent pas, l'autre du schmoll, là? Incroyable. Oh, c'est pas vrai, ça. Un chef-d'œuvre, cette merde, eh bah putain. Allez, passe la spie. Bon. Les jumelles, ça dégage! Bientôt, j'aurai des muscles. Déjà, je fais un bowling et j'ai galéré à lancer la boule. J'ai dû aller chercher celle des gosses. Faut vraiment que je me remuscle, hein. Allez, ça dégage. Oh, ça veut dire qu'on va séparer une des jumelles. Allez, c'est elle qui dégage. Tu es le maillon faible. Au revoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au revoir. Fous de ma gueule, bref, c'est pas très gentil. Hein. En plus, j'ai fait un score minable. Je sais pas viser. Mais bon, l'important, c'est de participer. Hein. Bon, pendant que Francette Plus s'occupe des chiards, eh ben, on va aller se faire engrosser. Dis donc. J'espère qu'ils sont pas morts, les autres. Hein. Alors, on avait fait qui, déjà? Hop, Jackie, Flocon, Riton, Chevalier d'Oz et Gélécro. C'est lesquels? Groupe 1, groupe 1, groupe 1, groupe 1, vous êtes là. J'ai chaud. Alors... Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. On va frapper à la porte. Bonsoir, c'est encore moi, la Michto. Bonsoir, c'est moi, Georgia. Quel cul je vais manger aujourd'hui? Lui c'est bon, lui c'est bon. Il nous reste Tess et Yann. Bah ouais, parce qu'ils vieillissent les cons. Faites-moi un petit sondage, ma petite braise, entre Tess, c'est slash braise ou Missou d'ailleurs, comme vous voulez, slash roll, je crois, R-O-2-L, et après je sais pas comment ça marche. Non, je sais plus comment ça marche. Donc Tess ou Yann. Bon, en attendant, on va les saluer. Salut, on commence enfin. Comment ça fait? Lara du slip. Je m'en bats les couilles. Slash roll. Non, c'est pas ça. Je crois que Brest essaie le faire, mais... Je sais plus. Je sais plus. J'en sais rien. Georgia a appris que Tess était romantique. Ah bah la pauvre... Pas du tout. Ah, c'est pas ça? Bah c'est quoi alors? Vous pouvez voter les gars, s'il vous plaît. On prend Tess ou Yann.
Ah, c'est Paul. Oh, pour une lettre. C'est vrai que Paul, ça veut dire sondage. Donc allez-y, vous pouvez voter les gars. Et les filles. Et les non-binaires. Et les trolls et autres trucs. Putain, je me fais engueuler pour une lettre, c'est incroyable. 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 N'empêche, on va bientôt finir cette maison de papa. Enfin, de géniteur et génitrice. Ça, c'est cool. Bon, pour le moment, c'est ex-aequo, en fait. Vous êtes 9, s'il vous plaît, dans le chat. Est-ce que vous pouvez voter? 2 pour Yann, 1 pour Tess. T'as pas dit molle, c'est déjà bien. Allons engrosser la madame. Ouais, là, il y a de la place pour avoir au moins des jumeaux, donc... c'est good. Et encore, on va tège... On va tège aussi, comment ça s'appelle, là? Francette Luce. Mais c'était juste le temps d'aller chercher le mâle. Parce que techniquement, on peut pas quitter le terrain s'il n'y a pas d'adulte. Ou d'ado. Votez, s'il vous plaît. C'est où sur tel le sondage? J'en ai aucune idée, ma pauvre Élise. C'est pas en haut de l'écran? Ça s'affiche pas? Sinon, peut-être si tu fais slash Paul 1 ou slash Paul 2, ça va peut-être marcher. Mais j'en sais rien. Est-ce que tu l'as le sondage, Missou? Vu que t'es sur tel, tu peux nous dire. Merci aux 11 gens qui sont là, n'hésitez pas à voter. Qu'est-ce qu'il veut, Bigfoot? Je sais pas si vous arrivez à lire. Il est écrit... Eos, Martin et moi envisageons de passer du temps ensemble. Est-ce une bonne idée? Il s'appelle Martin, donc c'est forcément une bonne idée. Vas-y, go Bigfoot, go! Sur tel, faut aller sur le navigateur et pas l'application. Oh mais c'est chiant! C'est chiant! Mais c'est chelou Didi, hein, parce que moi il me dit que je peux pré-télécharger. Il pense vraiment pas aux petites co, hein, c'est des enculés de putain. Comme d'hab, de toute façon il pense qu'à leur pognon. D'ailleurs c'est marrant. Instant de rage et de seum. Il y a 8 milliards de personnes qui sont game changers, dont des gens qui ont moins de vues, et moins d'abonnés, et moins de follow, et ce que vous voulez que moi. Mais moi, j'ai toujours été boycottée. Étrange. Si ça, c'est pas de l'injustice, je sais pas ce que c'est. Est-ce que je peux faire le foin en disant que je suis handicapée et que c'est du... C'est du... comment on dit? Du validisme. Est-ce que je joue cette carte de petite pute ou est-ce que je m'en branle? Parce qu'en vrai, je pourrais les faire chier, hein. Vous me donnez pas l'accès Game Changer, c'est parce que je suis handicapée? Alors que je sais très bien que c'est parce que je suis vulgaire. Mais je pourrais jouer cette carte de merde. Vous mettez pas en avant les gens handicapés? Bah alors? En vrai, je pourrais, hein. Je pourrais faire chier si je voulais. Mais j'ai pas envie de me baisser à ça. Bon, allez. J'ai pas vu la rep, je crois que c'était Yann. On va pécho, Yann. Pour l'inclusion. Non, mais c'est ça. C'est incroyable, hein. Ils veulent pas de moi parce que je suis vulgaire. Mais c'est depuis 2016, hein, pendant un moment... Bon, là, j'avoue, on est 9, j'ai 20 followers, bon. Mais pendant un moment, je cartonnais, on va pas se mytho. Je cartonnais et il y avait plein de gens et ils m'ont toujours boycotté. J'ai envoyé plein de fois ma candidature et tout.
Ils m'ont boycotté étrangement, peut-être parce que je dis la vérité et que je suis pas une grosse faux cul de merde. Oh, regardez. Chestnut Ridge, il est là. Il est là, il est là. Il y a un poney. Oh, le poney. Pardon. J'ai pété un boulon. Et là, il y a les chiens et les chats. On est où? On est là. Je veux y aller avec Yann. Yann! Il est là, c'est bon. On va le pécho. On va le pécho. Pécho! Couicou, couicou. Vous voulez pas de moi parce que je suis en équipe. Je pourrais tellement faire ça en vrai. Je pourrais tellement être une sale pute comme plein d'autres. Peut-être qu'ils mettraient mon contenu en avant parce que je suis handicapée, tu vois. C'est tellement... Les prendre à leur propre jeu. Ça serait énorme. Ça serait énorme vu qu'ils font les faux culs là. En mode oui mais on s'intéresse aux gens qui sont trans. On s'intéresse aux minorités. Non, non. On s'intéresse aux homos, que dalle. Je suis handicapée et pansexuelle. Du coup, double inclusion. Oh putain. Moi, je pourrais tellement les prendre à leur propre jeu, ça me fait trop rire. Bon, allez, casse-toi, Ginette, là. Ah non, si je fais ça... Aïe, ça fait chier. Si je vais dans le monde pour la thèse, je crois... que Yann va partir et ce serait un peu con. Alors, les gosses. Bon, ça va, c'est le week-end, on a le temps, en vrai. Vous allez quand même faire vos devoirs, messieurs. C'en est où les petits, là? Le pot. Apprendre à Nitram. Allez, go. Ce serait marrant. Hein. Pensez pas que ce serait marrant que je mette ça en avant. Mais en vrai, aller se faire mousser par EA parce qu'on est... Enfin, je suis désolée. Mais je trouve ça horrible. Genre, pendant un moment, ils mettaient des gens en avant... Non pas parce qu'ils font un contenu exceptionnel ou qu'ils ont des idées de génie, mais parce qu'ils sont gays. Y'a que moi qui trouve ça aberrant ou pas? On s'en branle qu'ils soient gays. Je trouve ça ouf. Regardez, c'est la pride, on met en avant les gens qui sont gays. Bah non, enfin... Pas plus que les autres en fait. Je crois pas. Regardez, on met en avant des gens qui ont une couleur de peau. Ça me rend ouf, moi. Je comprends pas le... C'est vraiment faux cul à fond, quoi. Quelqu'un trouve ça bien, vraiment, et peut m'expliquer son point de vue, parce que moi, quand j'ai expliqué que pour moi, c'était du foutage de gueule, on m'a dit, c'est ton avis. C'est ton avis. Ok. Ah oui, faut que je pêche au Sylvandre, moi. Bon, Sylvandre! Sylvandre, n'importe quoi, c'est mon gosse. Yann! Non, je veux pas pêche au Sylvandre, au secours. Yann ou Nénichou! Peut-être si je me mets à moitié à poil en montrant mes seins, ils voudront bien de moi. Et que je parle comme Stella. Oh là là, c'est vraiment trop bien. Vite, léchons le cul à EA. Quand la mâche sur le contenu français? Bah jamais. Parce que les Français, c'est des blancs, c'est des méchants. On s'en fout d'eux, il faut pas parler d'eux. Vous comprenez? Est-ce que tu comprends, Didi? En plus, si tu dis que tu aimes la France, tu es un vilain facho raciste. Oh, vilain! Vilain, Didi! Vilain!
Ça me trouve le cul, cette hypocrisie. Tu vas te pisser dessus, Francette Luce. La 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 la. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Elle a appris les critères de crac-crac. Pardon. De Yann. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Oui, alors vous êtes gentil, mais bon. Super. Allez, drague-le là, bien fort, on va pas y passer la nuit. Mais pose ce mouflet, bordel! Oh, merde à la fin, il va aller se coucher tout seul, il est grand. Sale petit con là. Allez, Nitra, Molly. Hop. Est-ce que vous avez fait vos devoirs? Oui. Travail supplémentaire. Let's go. Mais putain, mais fais-le ailleurs que dans la chambre de ta mère, bordel. Oh. C'est pas possible, ça. Bon. Allez, premier baiser et après, ça ken sale. Allez, hop. Ça ken pas du tout. Ça ne ken pas du tout. Non, non, on va pas te demander d'être son petit ami. Je veux juste une blanquette. La blanquette, le bœuf bourguignon. La torgoule, Didi. Tu veux pas de torgoule? Qui es-tu? Qu'avez-vous fait à Didi? A, O, I, O, I, A, A, O, A. Bon, on va virer l'autre. Prends cette plus. En plus, on va la virer toute seule. Elle est toute seule. Hein. Alors, partie 2. Bon, j'espère que Yann sera toujours là. La Normandie représente de l'andouille. Une crêpe à l'andouille, au camembert et à la crème. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, j'en veux. Oh, j'ai faim. Oh, j'ai faim. Oh là là, j'ai faim. Oh là 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 là, j'ai faim. Bon, Yann, va falloir se réveiller parce que va falloir remettre le couvert, là. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Papa de coucher, hein, Stéphane Singer, Ernestine. Et vous aussi, après, au lit. Les mouflés, là. Hop. Debout. Allez, on ken. Mais non, dors pas. Ouh, Yann. Yann. Et vont refaire un coup. Au cas où. Avec un peu de pomme caramélisée. Oh là 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 là, du calva. Un petit digestif, hein. Et puis après, vous allez le faire aussi dans la douche. Allez hop, allez hop, allez hop, allez hop. Qu'est-ce qu'ils font?
Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Dans la douche, j'ai dit! Allez! Qu'est-ce qu'ils font? Mais maniez-vous le tronc! Non, c'est pas la douche, là. Ils sont cons. 8 ans plus tard. Ah bah enfin! Oh! Possibilité de jumeaux. Ah bon? Ils sont dans la douche, ils se lavent même pas. Bon, ils ont l'air contents. Hein. Ouais, elle est enceinte. Allez, casse-toi maintenant. Casse-toi, Yann, casse-toi. On veut plus de toi. Attends, j'ai oublié ton nom. Roussel. Yann Rou. Il y a un S ou deux? Deux. Voilà. Casse-toi, Yann. On veut plus de toi. Casse-toi. Di-da-di-da. Allez, au lit. Qu'est-ce qu'il a, lui? Bah, va pisser. Non, mais va pas pisser dans la chambre de ta mère. T'as des chiottes, là. Trou de balle, va. Dis Georges, j'ai une dent qui bouge. J'en ai rien à foutre. Pourquoi ils se lavent les mains hein? Oh, ça m'énerve. C'est un détail con, hein, mais ça m'énerve. Tu te laves les mains avant de les doucher, c'est débile. Bon alors, mon petit, ceci est pourquoi se battent les vrais guerriers. C'est Ernestine, du coup. Et Martin, enfin Nitram, Martin 2, appelez-le comme vous voulez. Il en manque un là. Il manque l'imagination. Ça doit être sympa d'aller sur un pot souillé comme ça. Ça marche toujours, les gars? Ah, attendez, c'est l'heure des médocs. L'heure des médocs. Appelez-le Nitre. Ah oui, c'est ça que je devais faire. Je devais zoomer sur sa gueule parce que, objectivement, je pense que c'est le plus moche. Hein. Non, mais guette ça. En plus, avec... Oh, avec les ombres et lumières, là, il fait tellement peur. Berk, berk. Berk, berk, salopette. Alors, attends, je trouve pas mes putains de... L'anti-rejet. L'anti-rejet est demandé à l'accueil. L'anti-rejet. L'anticoagulant aussi, ça fait pas mal. Ça me gratte le nez. Ça me gratte le nez. Mais pas là. Bon, ils sont où là? Assez bonanga. J'ai plus de milligrammes. Faut ressortir un paquet. C'est chiant. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont faim maintenant. Mais ils ont toujours un truc, c'est mioche. Il n'est point moche. Si, quand même. Non mais objectivement, sans se battre,
Il est vilain, cet enfant. Il est gris. C'est le gosse de Michael Jackson. Mais sans chirurgie. Ah! C'est pas terrible, hein? Appelons un chat un chat. Il est vilain. C'est tout. Voilà, les médocs, c'est fait. Visage est bien. Attends. Non. Non, il fait flipper. Il fait flipper, il fait flipper, c'est tout. Je suis navrée de te contredire, mais ça ne va pas du tout. Enfin bon, tous les goûts sont dans la nature, hein. Dégueulasse. Tiens, regardez qui voilà. C'est le bébé. Le bébé. Il a vraiment vivre d'amour. Allez, va-t'en. Parce qu'après... Les gens, ils vont encore dire que je sniffe mon chat. Que je me drogue avec mon chat. Mais bon. Mais bon. Tu n'es pas invisible, gros galoragrane. Merci. Je vois rien. Qui dit ça? Qui ose? Je suis choquée. Oh, je sais pas. Sûrement des gens un peu fous, hein, un peu tarés. Mon bibou. Allez, hop. Hop. Va sur le lit. Va revenir dans moins de 2 secondes. Je le sens. Oh putain, ça me fait plus de ce chat. Je le pose sur le lit. J'en chie, ça m'essouffle. Le temps que je tourne la tête pour regarder s'il y a encore, il est déjà là. Ah, il me fatigue. Tu me fatigues, Bibou. Regardez, c'est sa queue. Bah oui. Bah oui. Bah oui, mais t'es un peu chiant. Je vois pas l'écran, là. Bibou chat. Oh, les bébés. Oh, les bébés relous. Oh, les bébés relous. Bon, ton cul. Je vois pas les besoins de mes Sims. Couche-toi de l'autre côté. Juste couche-toi, en fait. Allez, t'es pas couché, là. Mais te couche pas en brioche, je vois pas. Allez, hop. Voilà, voilà. Couche ton cul. Voilà, très bien. Bon, là, on est parti à Tombouctou. Mais voilà, t'es bien, là.
Quel relou. Bon, j'en étais où, moi? Allez, on va faire du jeu vidéo. Ça me fait rire parce que j'ai fait jouer aux jeux vidéo et il n'y en a aucun qui semble aimer ça, en fait. Oh, et l'autre, il en a refoutu partout. Génial, hein. Hop, alors, les mioches. Pas le temps. Réflexion. Allez, les formes. Des formes, des formes, des formes. Toujours plus de formes. Vous pensez qu'on aura le bébé ce live-ci ou plutôt la semaine prochaine? T'as mangé, toi? Ouais, c'est bon. La semaine prochaine, le bébé, tu penses? Je pense aussi. J'espère qu'on pourra l'avoir là, mais... Et quelle heure? Il est déjà 22h? Je sais pas. On verra. Ça dépendra de ma fatigue aussi. Qu'est-ce que ça monte lentement, putain. Vous, comment allez-vous? Vomir, super. Je ne sais pas pour le bébé, bah on verra. Mais là, ça vient d'être lancé, donc à mon avis, peut-être plus la semaine prochaine. Ou la semaine d'après, je sais plus ce que je fais. Attendez, je vais regarder le planning. Non. Le 28. J'ai mis que c'était l'épisode 8. Non, c'est l'épisode 7. Le 28, ouais, ce sera l'épisode 8. Okay. Non mais, on dirait qu'ils sont en train de crever sur le pot, les chiards. C'est bon? Il est toujours pas à 3. Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, non mais on s'en fout. Retourne sur le pot. Non, on s'en fout du bambin. On s'en fout de ce mioche. On s'en fout. On s'en fout de ce mioche. Mioche. Ça va pas mieux, hein. Mioche. C'est bon, il est à 3. Stop it, stop it, stop it, stop it. Imagination. Allez, go. Mioche. 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 Les gros gars, ils me regardent en mode, mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Oh oui, mon bébé. Mon bébé.
Le pépé. Bref, excusez-moi, je pète un peu un câble. Je sais pas pourquoi. Bon, les devoirs c'est bon, mais est-ce que le travail supplémentaire aussi hein? Je sais même pas si ils ont le nom. Ah, c'est eux les sorciers. Ils sont dégueulasses, hein. Faudrait que je les relook. Un jour, peut-être. Bon, c'est chiant, c'est le week-end, on s'emmerde. On s'emmerde, on s'emmerde, on s'emmerde. Oh putain, ils sont déjà fatigués ces trucs-là. Oh. Eh, c'est relou. Mioche. Ah, ça monte vite ça au moins. Plus vite. Plus vite. Pardon pour le micro. Merci aux 8 gens qui sont là. Sans plus désir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Martin et moi venons de passer un excellent moment. Bah super Bigfoot, on s'en carlarait. Hop, on va refaire une toile. Alors, vous en avez tout? 16. Oui. Mais non, 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 pas brisé, non. Je crois pas, non. Ça, en fait, les pauvres gosses, genre, ils mangent une fois par jour. La maltraitance est présente. On en est où, là? Du bébé. Le bébé. Ok, c'est pas pour tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? De rien, avec plaisir. Plaisir, le plaisir. En fait, va aux toilettes avant de dormir. Vu que le bébé t'appuie sur la vessie. Hein. La vessie. Hein. Et du coup, attendez, le prochain papa, ce sera le dernier. Et ça sera... Oh, comment ça s'appelle? Tess. 1-2-1-2, je crois. Attends, je vais vérifier. Vérifier dans les amis. Elle est où? Tout là. Là. Test 1, 2, 1, 2. Ok. 1, 2, 1, 2. Voilà, j'ai déjà noté pour plus tard. C'est important de bien noter les choses. Qu'est-ce qu'elle fait? Ok, super. Elle a bugère. Bah non, mais vous allez vous rendormir, hein. Vous allez pas vous lever à 3h du mat, les gars. Allez hop, endormez-vous. Surtout que j'ai rien à vous faire faire. Chiant. Ils sont tous chiants. Ils sont tous chiants. Non mais quelle blague. Hiver. C'est l'hiver. Nausée matinale. Ah, bientôt le troisième trimestre.
Venez manger les chiens. Oh, je t'ai fait peur. Pauvre chat. Oh, mon bébé. Oh là là. Pauvre petit minou. Et vas-y que je chie dans ma couche. Allez, ça, ça dégage. Alors, les bambinos, imagination. Allez, moi je dis, je reste jusqu'à avoir les babies. Donc, restez aussi si vous voulez leur donner des noms. Premier arrivé, premier servi. Je rappelle, quand le bébé naît, ça sert à rien de le donner avant. Voilà. Les petits malins, là. Qui donnent des noms. Alors que ça ne sert à rien. Je vous vois venir. Ça bug. Babillé, 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 babillé. Ba-ba-ba, ba-babillé, babillé. Oh, babillé. Ba-ba-ba, ba-babillé, babillé. C'était aussi facile dans la vraie vie. Non. Laisse-nous tranquille, Martin. Babillé, babillé. J'ai trompé. Ouh, l'orage. L'orage est énervé. Bon, c'est bon là. 3-3 et il manque le mouvement à Ernestine. Donc on va pas aller dehors alors qu'il y a de l'orage. J'ai quand même un peu pitié pour cette gosse. Je ne suis pas un monstre, vous savez. Un peu, mais pas à ce point non plus. Ah ben d'accord, il est très con en fait ce gosse. Il peut pas déambuler dans la maison en fait, ça se passe comment? Parce que moi, innocemment, je pensais qu'il allait déambuler dans la maison. Mais... mais si c'est pour faire ça, autant aller faire du toboggan, quoi. Bon, c'est bon, lui, il a 3. Reviens ici, sale mioche. Pourquoi il y a une musique là comme si il se passait la fin du monde? Ça m'a fait flipper. Bon. Toi tu vends ça et
On va sortir le gâteau de 800 ans. Genre, il est là. Maintenant, tes grandes sœurs, elles ont 30 ans, mais il est toujours là, le gâteau. Voyez ce que je veux dire? Allez, hop. Ernestine. À toi de jouer. C'est l'heure du duel. Attention. Allez, on se dépêche. Elle aime les chiens. Bah c'est super. Qui s'en fout? Clairement, hein, qui s'en fout. Oh my god. Allez, le monstre. C'est un geek. Comment est-ce qu'il est habillé? Ça va pas être possible en fait. Bon, elle, ça va. Mais ça là. Oh, puis il a les dents croches en plus. Bon, ben c'est super. Ernestine. Elle a l'air un peu moins moche que Bambin. S'il vendre, il a l'air plutôt mignon, hein. Avoir ado, mais enfant, il est mignon. Et Guy Georges, pareil, mais ça c'est. Oh là là, Guy Georges a perdu une dent. Il a l'air moins mignon. Mais vous pouvez. Est-ce que quelqu'un peut sérieusement m'expliquer ce que c'est que ce truc? Et pourquoi ils le mettent pour dormir? C'est surtout ça la question, parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui protège du soleil. Après, je m'y connais que dalle, hein. Et pourquoi ils foutent ça pour dormir? Je ne comprends pas. Il faut m'expliquer. Je suis un peu teubée. Il faut m'expliquer. Faire caca en étant en colère, bah fonce, hein. On va pas te priver de faire caca. Alors, jouer avec Guy Georges. Ils sont gravelés en tout cas. Enfin, les fringues, c'est pas possible. Dégueu. Énorme. Ah, mais il est encore en panne, cette merde! Ça devient relou, hein. Allez, jouez encore, les enfants. Hop.
Ils n'ont pas du tout fini leur devoir, là. On est d'accord. Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Allez, elle se mioche. Et ensuite, il faut que... Ah, c'est bon. Ouais, ils ont un Jonathan, t'as vu. Mais lui, c'est plus Bernathan. Je crois, je sais plus, on lui avait donné un nom, mais je sais plus comment vous l'aviez appelé. Oh! C'est grave beau! Elle est trop belle! Ah. Nitram s'est explosé sur le sol. Il a fini ses devoirs? Ouais. Par contre, il a pas fini de manger. Allez, vous finir vos devoirs, mademoiselle. Bon, lui, il est claquos. Hop, au lit. Au lit. Au lit. Aide là, si possible. Et ensuite, tu vas faire à manger. Manger. C'est si long. Le truc de cuisine là. Ça a annulé mes actions. Super. Cuisine. Ça doit pas être très économique de faire la vaisselle toutes les 10 minutes là. Alors on en est où du bébé? Mais putain. Troisième trimestre dans 6 heures. Ok, bon. Donc elle l'aura mardi, si je ne m'abuse. Dans la nuit de mardi à mercredi. On va sauvegarder, tiens, ça fait longtemps. Au cas où. Pourquoi il est réveillé, lui? Bon, bah écoute. Non, mais dors, attends, il est 4 heures. Peut-être pas abusé. Boire de l'eau aussi, oui. Voilà, vous êtes contente, Madame Braise.
Ils sont vraiment habillés comme des plouks, hein. Get ça. Qui George est habillé comme un plouk. Et lui, il a un manteau long et un short. Oh là là là. Rien ne va. Rien ne va. Mon Dieu. Quelle horreur. Allez. Allez, cassez-vous tous. Hop. Oh non, ils vont ramener un devoir supplémentaire. Donc là, normalement, on est au troisième trimestre. Oui. Non, je sais pas ce qui se passe, je m'en branle. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Martin? Mais je m'en branle! Ah! Oh, c'est relou! Tiens, on va inviter Tess. Enfin, on va lui téléphoner en tout cas. Oh putain, faut payer les factures. Allez. Voilà. Bon. Oh, pauvre chaton. Le pauvre petit chat. Oh, il était malheureux. Oh. On va aller faire pipi, madame. Oh. En fait, je voulais changer de maison, mais je crois que je me suis habituée un peu à cette maison, alors... Je l'aime bien. Je vais les réduire pour les mettre en tout petit et enfin, je ferai ça plus tard. Si j'y pense entre deux. Allez, elle accouche bientôt. Peut-être que les jumeaux vont avoir un A. Oh, ça sent le A. Ça sent le A. Et eux, ils vont passer à B. Trop bien. On va ouvrir le gâteau. Le gâteau. Le gâteau. On vérifie. C'est bon, et toi, c'est bon. Allez, hop.
Vous allez directement faire vos devoirs. Ah, j'ai peur que ce soit Nitram qui souffle. Je vous jure, j'ai eu un coup de chaud. Oh mon dieu, je sens que ça va être... Oh, il déteste les enfants. Oh my god. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas quoi en penser. Oh, puis la coupe, c'est pas possible. Oh là là. Ok. À faire tes devoirs, s'il te plaît. Hein? À faire tes devoirs. Pas beau. Ah, génial, écolo et végétarien. Bah, tu vas pas aimer ce qu'on mange, mon petit père, hein? Non, pas botaniste, c'est pas ce que je voulais. Voilà. Le gars chiant jusqu'au bout. Ah, t'as l'air un peu mieux réussi que ton frère. Ah ouais, non, pas de profil, par contre. Toi, faut te regarder de face, mais c'est tout. Oh là là. Bah, Sylvain aurait mieux de profil, hein. Bon. Bref. Bon, ils sont pas dégueux non plus, mais ils sont pas fous, quoi. Allez, aide tes enfants, là. Bah ça va de face, mais de profil c'est quand même pas terrible, hein. Est-ce qu'ils sont à C ou est-ce qu'ils sont déjà à B? Ah, ils sont déjà à B. Donc ils vont avoir du travail supplémentaire à faire. On va faire pipi, madame. Alors, il faut quoi? 3 dans une compétence. Ok. Ok. Après, pour vous divertir... Et regardez la télé, hein. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Miaou? Et vous? Ok. Faculté motrice. Comment je peux augmenter les facultés motrices des gosses? Hormis les jeux vidéo, bon, c'est pas grave. Ah bah enfin. Il est où Nitram? Nitram!
Je t'ai pas dit de faire ça. Bon, bah, va falloir cuisiner des plats végétariens pour l'autre con, là. Ah, sinon, tu vas faire... Je cherche le mot. J'ai pas le mot, ça me saoule. Genre grignoter ou une connerie comme ça, voilà. Repas, j'ai pas de micro-ondes. Bon. Bah nique ta mère. Oh non, il est malade. J'ai envie de pisser aussi. Hop, il va falloir que tu fasses ton projet scolaire, Choupette. Toi. Aussi. Hop. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Ah d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Tu fais tes devoirs là, très bien. Hey. Ok mamie, je sais pas si tu viens de voir mon message et d'y répondre ou si tu y as répondu et je viens d'avoir le truc, mais ok. Bon, faut cuisiner du VG pour l'autre con là. Oh. C'est qu'une seule, ça, putain. Je viens de répondre. D'accord. C'est pas nécessaire, en fait. Quel relou. Et ben voilà, ça, c'est bon, ça. Allez, hop. Revenu les Chinois, gna gna gna. Hop. Bon, c'est quand vous voulez, hein. On va mettre 8 ans à faire ce projet de merde. Bonne nuit, Mabrezou. Merci d'être venu. Ils sont les raviolis au fromage, ils sont là, ok. Enfin, les raviolis végétariens, pardon. Mais ça finit jamais? Ah, enfin!
Elle a pas mangé. Et bah tant pis pour elle. Hop. Allez, tout le monde au lit. Putain, il est 1h du mat. Dépêchez-vous, les enfants. Couche-toi, Bibou. Non mais c'est bon, laisse ça. Voilà. Va te coucher. Et ça, c'est encore en panne. C'est relou. Ah non, tout à l'heure, c'était le four, pardon. Je suis mauvaise langue. Normalement, elle devrait pondre là, non? Hein, mon chaton? Ah bah voilà. Il suffisait de demander. Alors déjà, on va faire pipi. Les gars! Réveillez-vous et préparez vos prénoms. On pousse-toi, gros gal. T'es chiant. Couche-toi. Voilà. Voilà, c'est bien. Bon, le bébé. Bah oui. Allez, c'est parti pour le bébé. C'est parti. Combien y en aura-t-il? Quel sexe sera? Quel nom il y aura? Dites-moi tout. Mon Dieu, mamie. C'est une fille. Pauvre petite. Ça sera donc Margot. C'est un garçon. J'attends de voir si quelqu'un d'autre propose un prénom, mamie, parce que ça serait pas juste que ce soit toi qui aies tout. Donc Margot. Margot est la 14e petite. Avec son jumeau. Quelqu'un propose un prénom de garçon? Dans les 5 spectateurs qui restent? J'ai vraiment pas envie de l'appeler Rufus, alors s'il vous plaît. Donnez un prénom à cet enfant. Hein? Rufus ou Ignace? Je sais pas. Non, je pense que Ignace, c'est pire. En plus, c'est dur à prononcer. Rufus, c'est juste drôle, ça fait un peu un nom de chien. Je suis navrée pour tous les Rufus qui peuvent passer par là. Bon, je vais attendre encore 30 secondes et s'il n'y a personne d'autre, ce sera Rufus. Hein. Ça craint du boudin. Hein. Je crois que mes chats veulent quelque chose, donc il va falloir que j'écourte ce live. Hein, chaton minou? Chaton minou? Bob. Non. 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 Bernardin. Non, bah écoute, il n'y a que toi qui propose, donc ce sera Rufus. Voilà. Et oui.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ok. Ça vaut pas le coup que je... Que je... Oh putain, ça va déjà me faire chier. Que je la repasse tomber enceinte tout de suite. Elle est contente, elle vient d'avoir démouflé encore. Donc Rufus, je note Rufus. Voilà, et on en est à 15 petits. Elle n'est pas encore adulte. Hop. Donc, si mon texte veut bien se faire éditer. Allô ? Pourquoi ça veut pas ? Bon, c'est complètement bugué. Super. Bon, bah tant pis. J'éditerai le truc du 13 bébé plus tard parce que ça a l'air bugué. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Parti faire un footing pendant ce temps. Alors, on va se remettre un peu en forme là. J'aimerais bien que ce soit comme dans les Sims où vraiment ils font trois fois le tour du quartier puis ils deviennent tout minces. Allez, tout le monde à l'école. Zimardi, zimardi. Ah mais elle rentre, parce que sinon ça va les envoyer à la garderie, non? Je suis pas sûre. Bon, ça veut pas marcher cette daube là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oh d'accord, ça m'a effacé carrément le 13 bébé. Ah c'est bon. Quelle merde, je vous jure. Ah mince, j'avais oublié de faire ça. Hop, voilà. J'avais oublié. Heureusement que j'ai pas mis des trucs un peu olé olé, hein. Bon allez là, dépêchez-vous. Oui, il va être tout le temps en colère parce que... Parce qu'il y a des gosses à côté, ça va être super. Oh, avec un peu de lol, il va mourir de colère en grandissant. Quand il deviendra adulte. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Putain, Martin, il est actif, hein. Hop, allez, on va se doucher. On s'occupera des petits après, c'est bon. Ah, ça m'avait pas manqué, dis donc. Non, elle va devenir adulte. Non. 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 Margot. C'est grave moche, hein. C'est grave moche. Oui, c'est moche. Je sais pas si je dois te remercier ou pas, mamie. Margot. Ça fait un peu prénom de vache, en fait. J'ai cherché pour toi. Super, merci. Allez, on va faire une sieste. Ah, mais attends, on n'a pas vendu ce truc-là. Bienvenue à l'Opitopia. Merci The Wolf 98, bienvenue à toi. Bienvenue.
C'est le 21e follower. Ouh. Merci beaucoup. C'est un peu la fin du live, mais c'est pas grave. The Wolf avec mon super accent. Éclaté. Demain, un autre live si tout marche bien. Que ça sort à temps. Putain, quelle angoisse. Oh, faut que je fasse ma miniature. Oh, ta gueule. Ta gueule, Margot. Ferme-la, Margot. Mais ferme-la. Pauvre gosse. C'est bon. On arrête de chialer. Le bébé. Hop là. 15 bébés, les gars. Alors. Oh, ils vont dégager. 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 Dégager. Ils vont dégager. Ils vont dégager le plancher parce qu'ils ont A. On n'a même pas eu le temps de les relooker. Ça va dégager. Ça va dégager. Au revoir. Une bonne. Oh, mais aussi ils vont grandir, dis donc. Ah non. Ah, tu fais chier, Nitram. Tu fais chier, Nitram. Tu fais chier, Nitram. Nitratram. C'est toujours le même qui casse les couilles. Bah, du coup, ça rime pas. Ah non, tu veux pas mettre un autre truc pour être bien casse-couille, là. Qui va avec le reste de Écolo Bobo. Écolo, Bobo, et le dernier... Ah, disciple du recyclage. Ouais, c'est parfait, c'est parfait. C'est parfait. Bravo, bravo. Ah non, il est gâté. Faut faire un autre gâteau exprès pour aussi le vendre. Il va nous faire chier jusqu'au bout, lui. Sur les chevaux, j'aurai un cheval rouge nommé Belzébuth et un noir nommé Hadès. Et une jument blanche, elle aura du sang de licorne et elle s'appellera Séraphine. Bah c'est cool ta vie. Je m'en branle. Fais-toi une chaîne YouTube et des let's play, mamie. Qu'est-ce que tu veux que j'en ai à foutre? Oh putain. Alors elle, tu vois. Elle a du sang de licorne. En plus, il n'y a pas de licorne. Chez. Comment j'en ai rien à branler, moi, des licornes. Ah, il n'y en a pas. Qu'est-ce que je m'en fous? Bon, il est pas content le monsieur, hein. Va te doucher, ça ira mieux après. Hein. Il n'y a pas des trucs à nettoyer avant de partir là? Non. Ah, c'est un sorcier en plus. Tu es un sorcier, Harry. Fais plus vite. Plus vite le gâteau. Il a l'air dégueulasse, Nitram. Il s'est pissé dessus. Mais enfin, Nitram.
Aïe, 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 aïe. C'est bon ? Pour le gâteau, là ! Dépêche-toi, enfin ! Ah bah voilà. Tu vas le mettre où ? Elle va le mettre où, cette conne ? Pff, chiante un peu, hein. On va courir. Allez courir ! Allez courir ! Et est-ce que Hadès, il sera trouillard? Il aura des gardes du corps ou pas? Déteste les enfants et crasseux, comme sa mère, dis donc. Allez, tu peux te dégager. Je vais les envoyer avec avec leur soeur. Je les relookerai, puis je vous mettrai les screens de leur relooking dans le Discord. Et juste avant de partir, je vais faire un dernier truc. Hop. Ah, mon bébé chat. Ouh là là. Il est trop mignon, il s'étire puis il sort le bout de sa langue. Allez, bouge, j'arrive. J'arrive te nourrir, petit chat d'amour. Alors, on va appeler Tess. Ok, elle est là, parfait. On va juste faire pipi avant. Et après, on va la draguer. Comme c'est pas permis de draguer. Mon Dieu. Toi, Bichette, tu vas faire tes devoirs, ce serait pas mal. Nitram aussi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui. Oula. Ce lag des enfers. Bon, c'est bon là, c'est bon. Tapissé, hop. Bibou. Pas invisible. Ah non, mais parlez pas avec la gosse pendant que vous vous draguez, c'est super cringe. Putain, c'est chiant. Va faire tes devoirs, elle nous fait pas chier. Quoi? Bonjour mon chéri, c'est papa. Ouais, cool. Tu me manques. Mais t'as qu'à venir! Voilà. Il nous emmerde lui. Bon, c'est bon là, on peut la pécho. Crucial, t'es chiant là. Quel relou ce chaton! Attends, elle peut pas faire de bébé là? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah non, peut-être qu'elle est pas encore assez amourachée. Oh, je vois rien avec ce chat.
Bon, pourquoi on peut pas Ken? Pourquoi elle veut pas? C'est quoi son problème? C'est quoi son problème? En plus, on drague à côté des mouflés, c'est super. Super, quoi. Amatrice d'Araninia. Bon, je veux la Ken. Pourquoi on peut pas la Ken? Est-ce qu'elle est mal réglée? Pourtant, il me semblait avoir tout, tout vérifié. Il n'y a pas, hein. Je suis pas folle. On a peut-être un souci. Bah, son souci, c'est qu'elle nous casse les couilles. Ou alors, c'est parce qu'il y a les mioches qui pleurent à côté, là. Non, reste ici. C'est relou, c'est relou. Putain de bébé de merde là. Bon, va dormir. De toute façon, elle est crevée. Demain à 6h, on la ken. Ah, super, la couche qui pue là en plein milieu. Putain, il y en a une autre là, génial. Déjà? Oh, mais j'ai pas hâte, moi, que. Enfin. Non, pas de fête. On fait pas de fête, nous. J'ai pas hâte qu'ils deviennent bambins. Nourrissons, pardon. Ils vont être encore plus casse-couilles. Faut tout leur dire à ces putains de Sims, hein. Hop. Ça, c'est bon. Oh putain, il n'y a toujours pas. Il y a un truc, c'est genre trouver. Oh non! Trouver ce qui ne va pas, mais quand tu cliques dessus, ça change rien. Attends, attends, le niveau 4 dans une compétence et il n'a pas. Faculté motrice. Ok, super. Bon. Allô? Putain. Merci.
sous le machin pour les mioches, là. Je trouve jamais. Oui, ils peuvent s'accrocher, là. Je le trouve jamais. Bibou, t'es pas invisible, tu me saoules. Tu me saoules. Évidemment, je le caresse, il monte son cul. Donc, ah. Comment ça rame, les gars? Truc de ouf. Allez, vas-y. Voilà. Allez à l'école. Dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'il a encore, ce putain de gosse? Il va être chiant. Oh, il va être chiant. Bon. Et c'est pas tout là, mais j'ai autre chose à foutre moi. Je dois pécho. Rufus a très faim. Mais Rufus m'emmerde en fait. Voilà. Mais pourquoi ils vont pas à l'école, ces connards de mouflés? Maniez-vous! Oh, j'y crois pas. Bon, et toi, on peut te pécho, là, c'est bon? Eh ben, enfin! Allez, on se dépêche. Qu'est-ce que... Elle change d'âge. Super, on s'en branle. On s'en branle là, va la ken. Oui, c'est bien, bravo, t'es vieille. Allez, c'est cool. On peut ken maintenant? Pourquoi elle ken pas? Eh bah putain. 8 ans plus tard. Casse-couille. Oh mon dieu. Oh, oh là là là, je savais même pas que cette coiffure existait. Oh. Eh bah putain, elle a de ses hanches. Où est son estomac? Elle est partie dormir. Bah ça va pas le faire, hein. Qui m'emmerde? Ta gueule! Mon dieu. Allez, casse-toi. Hop. Ah, elle s'occupait des bébés. Et nourrir. Quoi? Plus d'argent et de prestige, mais aussi de travail et de responsabilité. Est-ce que je devrais essayer de, d'obtenir une... Oui, vas-y, je m'en branle. Oh, la gueule. Oh, elle a l'air d'avoir un visage horrible. Oh, oh my goodness. Eh ben, ça va être sympa, les mioches.
Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. En tout cas, elle est très contente. Très énergisée. Ah non, elle est triste. Personne n'a fêté son anniversaire. Ah bah dommage. C'est ballot. J'attends que les mioches reviennent. Pour les faire grandir et après j'arrête. Oui, je sais, j'ai déjà dit tout à l'heure que j'arrêtais après un truc et j'ai continué. Vous allez faire quoi? Rien. Voilà. Alors ça, ça dégage. Ça, ça va dans le frigo. Et ça, qu'est-ce que diantre que ceci? Allez. Hop. On va sortir le gâteau. Parce que normalement, là, les petits, ça devrait être bon. J'espère. Alors. A et A. Très bien. Et geek et délicat. Génial. Génial. On s'en fout. Ah oui, d'ailleurs, il y a un truc très chiant. Enfin, je sais pas si vous, vous trouvez ça chiant, mais moi, je trouve ça un peu chiant. C'est que... Oh my godness, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, Dromel? C'est que les aspirations s'enlèvent dès qu'ils changent, qu'ils deviennent adultes. Oh mon Dieu. Braise rate ça, hein. Bon, arrête de faire des mimiques à la con, il y a une tête normale. Bon, en vrai, il est pas si moche, ça va. Mais alors, le look. Le look. Et j'ai presque pas envie de le changer. Je pense que je vais le laisser ainsi, hein. Je vais lui mettre un petit costard. Quand tu sautes. Ah là là. Waouh. Waouh. On a du lourd là. Maladroite. Ok. Et elle? Ça va, elle a l'air correcte. Correct. Ah mais attends, c'est pas l'anniversaire des mioches là? Qui vont devenir... Oh putain. Faut que je les fasse grandir. Ah. Allez, c'est parti. Prudente, ok. Et toi? Oh, elle a l'air mignonne. Oh, les choux. Ça va. Oh, putain. Sensible. Oh, Rufus, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Oh.
Bon. Ben voilà. Ben écoutez. On va se laisser là-dessus. Et le haut, il est trop beau. J'adore. En vrai, j'aime bien comment elle est habillée. Elle est trop belle. Bon bref. Et lui, mais alors le look. Rufus a déjà la classe. Alors moi, j'aurais pas dit ça. J'aurais dit qu'il est moche. Mais bon, voilà, chacun ses goûts, hein. Je vais sauvegarder. Je vais relooker tout ce beau monde pour la semaine prochaine. Je vais vous mettre les... Je vous mettrai les relookings de... Sylvandre et Guy Georges. Et puis vous verrez les autres plus tard. Hop. Comme ça, je vais pas trop spoil. Sur ce. Puit. Sur ce, mesdames et messieurs, enfin surtout mamie qui parle, ben, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Merci d'avoir regardé, d'être bien vu. J'espère que demain. La mage, enfin la, le DL se fera sans encombre et qu'on pourra jouer avec les poneys demain soir. Parce qu'en vrai, ça va être très très dur d'attendre jusqu'à vendredi si jamais ça marche pas. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de soucis avec l'appli. Et que dès 19h, je pourrai DL le truc et que ça sera pas très long. J'y crois moyen, mais bon, on a quand même un petit peu d'espoir. Sinon, bah, ce sera vendredi et puis voilà. Donc, à demain ou vendredi et voilà. Sur ce, bonne nuit, des cœurs, des paillettes, des bisous et salut !